Donc les gens, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je vais partir en vacances dans 2 jours à La Réunion. Donc je pars le 17 à La Réunion. Et du coup je vais vous préparer là pendant ces 2 jours qui vont suivre environ 15 vidéos afin de vous en sortir une tous les jours. Donc je vais absolument tout faire, les miniatures, les vidéos, les miniatures, le montage. Après il faut que je convertisse la vidéo en le dossier pour pouvoir ensuite l'upload sur YouTube. Donc je vais en avoir environ au moins pour 2h30 par vidéo. Donc ça va me prendre énormément de temps. Donc s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo, abonnez-vous et laissez des commentaires, parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps à faire toutes les vidéos que vous allez voir pendant toute cette période. Donc allez, bonne vidéo les gens. Yep les gens, c'est Verxius, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur DoFootage, donc j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de commencer la vidéo, comme vous avez vu juste avant l'introduction, là je vais essayer de faire le plus de vidéos en 2 jours, donc je vais essayer d'en faire 15 et comme ça je pourrai vous les upload pendant tous les jours que je pars en vacances. Du coup pendant toute cette période je pourrais vous upload une vidéo par jour. Donc là je suis à ma 6ème vidéo de fête en moins de 2 jours. Du coup s'il vous plaît, récompensez ça, tout ce travail, par des likes, par des commentaires, en vous abonnant, parce que je suis déjà à près de 8 heures de travail. Donc voilà. Donc les gens, on va passer directement à cette astuce. Donc cette astuce, c'est vous qui l'avez créée, ce que vous allez voir de suite. Donc j'avais posté une vidéo YouTube astuce Kama Kama multiplié par 485% les pare-chauds d'ivoire. Elle avait fait 770 vues. Enfin, elle est en train de faire les 770 vues en moins de 4 jours, les gens. Et elle a déjà 22 gemmes pour 0 gemme pas. Donc, franchement, merci beaucoup, les gens. Et du coup, bien évidemment, ce que vous allez vous attendre, c'est que grâce à cette astuce, a fait que tous les parchemins d'ivoire ont baissé en prix. Du coup, au lieu d'être à 70 000 Kama, 80 000 Kama, voire 100 000 Kama les 10, ils sont passés à 45 000 Kama. Et c'est là qu'il va avoir l'astuce, donc vous allez voir tout de suite. On va taper parchemin d'ivoire. Et non, attendez. On va taper ivoire et vous allez voir les prix comme ils sont descendus. Et c'est là, du coup, que grâce au fait que les prix ont descendu, qu'on va sortir une nouvelle astuce et qui va vraiment vous rapporter pas mal de Kama. Donc vous voyez, les prix ont totalement baissé, sauf par centaine. Donc si vous voulez, vous pouvez continuer à le faire par centaine. Et maintenant, vous allez taper. Vous allez aller dans l'HDVD ressources, vous allez taper Mosquito. Et bien évidemment, au contraire, les ailes de Mosquito ont augmenté. Vous voyez, 50 000 Kama les 100. C'est le vrai prix. Hier, c'était monté à 65 000 Kama. Donc en plus, ça s'achète énormément. Il y a beaucoup de monde qui l'achète pour beaucoup de craft. Bah, vous allez voir de suite. Hein. En plus, il y a beaucoup de PNG. Il n'y a pas qu'un seul. Il n'y a pas que le pays. Excusez-moi. Il n'y a pas qu'un seul PNJ qui fait qui demande des ailes de Mosquito. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas rentable. Mais pour certaines quêtes, il y a quand même des gens qui achètent des ailes de Mosquito. Donc vous voyez, pour des teintures magiques sombres, ce qui est très demandé, il y a le Fallen, des panneaux Mosquito, donc bien évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent les panneaux Mosquito. Et juste pour ça, les ailes sont beaucoup achetées. Et oui, les gens, ça n'a pas l'air comme ça, mais beaucoup de gens farment les teintures magiques sombres. Surtout pour monter les métiers, pour les revendre, étant donné que ça vaut un beau prix quand même. Du coup, l'astuce, ça va être d'aller drop ces ailes de Mosquito. Donc on va se retrouver à Pandala Neutre. Donc je vais mettre la minimap. Voilà, carte du monde. Alors j'attends juste qu'elle charge. Voilà, du coup on va se retrouver dans cette zone. Donc faubourg de Pandala, ou non, village de Pandala. Donc la zone est assez grande quand même, il y aura beaucoup de groupes et surtout beaucoup de groupes avec des étoiles, étant donné que cette zone n'est presque pas farmée, c'est ça qui va être énorme. Et voilà ce que vous trouvez en rentrant dans cette zone, des énormes groupes de mosquitos, d'arachnés et de larves bleues. Donc on va de suite s'en faire un vite fait, donc je pense. En plus là on est à côté du zap, vous voyez, il y a déjà un groupe qui a quand même 2 étoiles alors qu'on est collé au zap. Donc normalement les groupes près des zaps comme ça sont farmés. Mais et vous voyez qu'il y a presque personne dessus. Du coup on va directement lancer le combat et on se retrouve dès que j'ai fini quoi. Ok, à toutes les gens. Donc voilà les gens, alors là on va finir le combat avec un pied du sacrieur. Voilà, avec un petit chal en plus, vous voyez. Combien de pourcents en plus? Voilà, donc on a pris quand même 32 000 d'expérience en 1 minute 57 pour un châle qui dure vraiment 2 secondes avec 55% le châle.
On a gagné 4 ailes de mosquito, les gens. 2 sourcils de mosquito, ce qui vaut très cher. 2 sourcils de mosquito, ça vaut très cher. Et 3 pattes d'arachnée. Donc, je vais vous montrer les prix aussi de ces deux derniers. Et vous allez voir que les prix sont vraiment hallucinants. Donc, sourcils de mosquito. Donc bien évidemment, c'est pas une seule fois que vous allez avoir tout ça, c'est en farmant. Donc vous voyez, en 25 combats à peu près, vous gagnez les 100 ailes de mosquito et du coup 50 000 kama. Donc 25 combats, ça correspond à environ 5 minutes, 1 heure, le temps de trouver les groupes. Et tout en faisant ça, vous allez payer. Donc en 25 combats, vous prenez 2-3 niveaux. Donc c'est vraiment pas mal du tout de faire autant de kama. Surtout qu'après, il y a des sourcils de mosquito. Donc vous voyez, 10 000 kama les 10. 500 kama U, c'est pas le vrai prix, et 130 000 kama les 100, vous voyez. Donc en 2 heures et demie, je dis vraiment le vrai horaire, vous faites 100 sourcils de mosquito tout en ayant au moins 300 ailes de mosquito. Donc c'est vraiment énorme, c'est une grosse astuce de farm si vous n'avez pas d'astuce à vous même et que vous préférez tout simplement drop, étant donné que les ressources se vendent très bien. Donc on va voir les pattes d'arachnée nous maintenant. Alors, arachnée. Attendez, j'ai du mal là. Arachné. Normalement, je crois pas qu'elles sont dans les ressources diverses. Oui, c'est ça. Elles sont dans les pattes. Du coup, hop. Filtre arachné. Faut juste attendre que ça charge. Ça prend beaucoup de temps. Ah voilà, pas d'arachné. Donc, vous voyez, 14 500 km à l'essent. Vous droppez environ la même chose que les ailes de mosquito. Du coup, vous aurez autant d'ailes de mosquito que de pas d'arachnée. Donc ça vous fait autant de kama. Vous pouvez même farm le métier alchimiste comme ça avec les teintures magiques sombres. Oui, c'est ça je crois. Ah, attendez, on va regarder craft. Vous pouvez même avec les teintures magiques sombres, vous pouvez même farm le métier alchimiste tout en droppant. Donc ça c'est vraiment énorme. En plus, ça vaut donc ça aussi ça vaut pas mal du tout. Vous pouvez vous faire pas mal de kama avec les teintures magiques sombres. Alors on va aller dans alchimiste. Hop. Alchimiste, non, teinture. Donc les serveurs bug un peu ce matin, je ne sais pas pourquoi. Alors ça me marque qu'il n'y a pas de résultat, c'est bizarre. Bon, on se retrouve dès que j'ai trouvé la potion, les gens. Voilà, donc vous voyez quand même 8000 kama U. Par prix par dizaine, c'est 15000 kama U. Donc c'est vraiment énorme. Si vous farmez ça, par exemple, vous faites 100 ailes de mosquito, 100 pattes d'arachnée. Au lieu de tout simplement les vendre et vous faire 60000 kama, vous faites 10 teintures magiques sombres, vous faites 150000 kama. Donc faire 150000 kama en 1 heure tout en expand, je trouve franchement que c'est pas mal du tout. Vous faites ça pendant toute une journée, vous pouvez faire 700 000 kama facilement. Et vous farmez ça pendant, on va dire 5 heures, hein, donc plusieurs jours si vous voulez, 2, 3, 4 jours. Vous faites 500 000, 700 000 kama très facilement. Donc c'est ça qui est vraiment énorme avec cette astuce. Surtout que ces ressources se vendent très rapidement et tout autant pour les teintures. Du coup voilà, donc j'espère que cette petite astuce kama XP vous aura plu. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à laisser des commentaires, et bien évidemment à vous abonner, et du coup récompensez-moi le travail que j'ai fourni à la fin de ces deux derniers jours, étant donné que là j'en suis à plus de 8 heures de travail. Donc voilà, ok, ciao ciao.